some changes. Depending the cars, Audi and Ferrari were allowed to take 15 kilos of weight out of the cars. Lamborghini was the balance of performance and of content emissions from this to Audi and Ferrari. In this qualification training, we have seen how by Maximilian Götz gerade neue Weltmarkt gezogen werden. Zweitschnellster, der Sieger von gestern, Dennis Olsen aus Norwegen. 12h50, dans une heure, on entendra la mise en grille pour la course numéro 2 du DTM, et ça, ce sera très important, bien sûr, des trois parts de la journée. Donc, si vous voulez participer à ce. Wir stehen weniger als 5 Minuten vor Beginn der Aufwärmrunde und in dieser Saison 2022 in der DTM haben wir in bisher 11 Rennen nicht weniger als 9 verschiedene Sieger gesehen. Der neueste war gestern Dennis Olsen.
avec l'une ou l'autre voiture dans un bac à gravier, notamment une Lamborghini. Il faut qu'elle en sorte, hein. Sinon on va devoir neutraliser. Voilà, on sortira. René Rast qui garde l'intérieur, Nick Cassidy qui va vouloir resserrer. Et René Rast qui reste pour l'instant en deuxième position. Cassidy qui doit éviter le bac à gravier, donc il se replace derrière Landy. Mais il est idéalement situé naturellement, positionné sur la piste. Épreuve est bien c'est fait. Il est rentré, donc il a une gueule, donc lui il va devoir Reviendront à la formation avec le avec